Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club pour cette partie du vendredi qui est une partie détonnante, c'est-à-dire que c'est une partie normale, pas de joker, pas une partie de joker, pas une partie 7 sur 8, mais une partie qui fait moins de 19 coups et plus de 1100 points. Voilà, donc c'est une partie assez rapide, avec pas mal de Scrabble en général, enfin en tout cas des gros scores, donc qui dit gros score dit Scrabble. Et surtout si ça va vite, en général, c'est parce qu'il y a pas mal de Scrabble, on joue beaucoup de lettres et on ne s'éternise pas. Voilà. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage. Hein, on passera en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les principaux sous-topes. On verra également les définitions des mots peu courants et les potentialités des tirages. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà et à en parler autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Voilà. Allez. Sans plus attendre, on va démarrer cette partie. Je vous souhaite une très très bonne partie, détonnante donc. Soyez à l'affût, à chaque coup il y a très probablement un Scrabble. Pas toujours, hein. C'est pas 14 coups, 14 Scrabble, mais il y a des Scrabble fréquemment. Allez, on y va. Voici votre premier tirage, Uruguay U. Danemark D, Norvège N, Roumanie R, Égypte E, Algérie A, deux fois. Vous jouez avec Uruguay, Danemark, Norvège, Roumanie, Égypte et Algérie deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé.
un top à 70 points horizontalement en H7. Nous posons Runda R, E sur la case centrale, N, A, U, D, A. Renauda, R-E-N-A-U-D-A en H7. Ça fait 70 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici France F, Italie I, Belgique B, Uruguay U, Luxembourg L, Océanie O et France F. Vous jouez avec France deux fois, Italie, Belgique, Uruguay, Luxembourg et Océanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante points sur ce coup. Faites attention à la solution choisie. Verticalement en 13C, en appui sur le deuxième, le dernier, la dernière lettre, le deuxième A de Renauda.
Donc c'est en 13C, et attention au mot choisi, disais-je, bouffer. B-O-U-F-F-A-I. Nous avons joué bouffer, B-O-U-F-F-A-I, en 13C. C'est sur le deuxième A de Renaudat. Et ça vaut 40 points. Une lettre reliquat, Luxembourg, que vous allez rejeter. Vous rejetez donc le L. Et voici cette nouvelle lettre. Uruguay, U. Italie, I. Égypte, E. Suisse, S. Uruguay, U. C'est le deuxième. Grèce, G. Et Algérie, A. Vous jouez avec Uruguay deux fois, Italie, Égypte, Suisse, Grèce et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 90 points. Vous ferez attention à la place. Nous allons jouer verticalement. En 14A, en collant à droite des 5 premières lettres de bouffée, en descendant Gueusé, G-U-E-U-S-A-I. Au passage, on forme B ou
us, fa et fi avec les cinq premières lettres de bouffée. Geusai, G-U-E-U-S-A-I en 14A, ça fait 90 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Tunisie T. Uruguay U. Suisse S. Égypte E. Une fois, deux fois, trois fois. Et Québec Q. Québec. Vous jouez avec Tunisie, Uruguay, Suisse, Égypte trois fois et Québec. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cent quatorze points. Faites attention à la place, c'est un peu particulier comme collante. Enfin, verticalement en 15F, nous descendons Kété. Q. U, E, T, E, E, S. Le Q transforme Fa en Fac et le U transforme Fi en Fiu. Donc Kété, Q, U, E, T, E, E, S, c'est vertical en 15F et ça fait 114 points.
Aucune lettre reliquat. Voici Norvège N. Océanie O. Maroc M. Égypte E. Tunisie T. Luxembourg L. Algérie A. Vous jouez avec Norvège, Océanie, Maroc, Égypte, Tunisie, Luxembourg et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-six points. Verticalement en 11 E, en appui sur le U de Renaudat. Nous descendons Émoulant. E M O U de Renaudat. L A N T. Émoulant, E-M-O-U-L-A-N-T, en 11 E, ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat après ce nouveau Scrabble. Voici Tunisie T. Océanie O.
Égypte, E. Italie, I. Maroc, M. Belgique, B. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Tunisie, Océanie, Égypte, Italie, Maroc, Belgique et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-douze points. Verticalement en 8A, pour terminer sur le E de Renaudat, nous descendons. Remboîte. R, E, M, B, O, I, T et le E de Renaudat. Remboîte. R, E, M, B, O, I, T, E en 8A. Ça fait 92 points. Il n'y avait plus aucune lettre après ce Scrabble, voici. Norvège N deux fois. Zambie Z. Océanie O. Égypte E. Danemark D. Algérie A. Vous jouez avec Norvège deux fois. Zambie, Océanie, Égypte, Danemark et Algérie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. points. Horizontalement en I2. De façon à mettre un Z au bout de Ramboite, nous posons Adonné. A-D-O-N-N. Le E qui fait Ré avec le E de, le R pardon, de Renauda et le Z qui vient en bout de Ramboite pour faire Ramboiter EZ. Adonné, A-D-O-2-N-E-Z en I-2. Ça fait 94 points. De nouveau un reliquat complètement vide. Voici Italie I deux fois. Égypte E. Roumanie R deux fois. Canada C. Algérie A. Vous jouez avec Italie deux fois, Égypte, Roumanie deux fois, Canada et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Un maximum à 100 points. Faites attention à la solution choisie, verticalement en 1H, de façon à transformer « adonné » en « cadonné ». Nous descendons « écrirai ». E, C qui vient devant « adonné » pour faire « cadonné ». R, I, R, A, I. Nous verrons la définition tout à l'heure. Hein. « Écrirai ». E-C-R-I-R-A-I en 1H, ça fait 100 points. Cette nouvelle lettre, Uruguay, U, Italie, I, Égypte E, Hongrie H, Canada C, Luxembourg L et Venezuela V. Vous jouez avec Uruguay, Italie, Égypte, Hongrie, Canada, Luxembourg et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-six points horizontalement en B1 pour terminer sur le E de remboîte T. Nous posons véhicule. V E H I C U
L-E de remboîté. Véhicule, V-E-H-I-C-U-L-E. En B1, ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Portugal P. Algérie A. Italie I. Portugal P, c'est le deuxième. Égypte E. Suisse S. Wallonie W. Vous jouez avec Portugal deux fois, Algérie, Italie, Égypte, Suisse et Wallonie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 96 points. Horizontalement en O1, de façon à mettre un S au bout de écrire, nous posons swap. S-W-A-P-P-E. Le S transforme écrirait A-I en écrirait A-I-S. Nous avons bien joué swap en 6 lettres. S-W-A-P-P-E en O1 pour 96 points.
une lettre au reliquat, Italie. On ajoute Océanie O. Hongrie H. Norvège N. Tunisie T. Égypte E. Et Suisse S. Vous jouez avec Italie, Océanie, Hongrie, Norvège, Tunisie, Égypte et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 94 points. Verticalement en 5D. Attention à la place, nous jouons en 5D pour couvrir les deux cases roses sur le premier. N de cas donné, nous descendons Tonine. T-H-O-N-I. Le premier N de cas donné, E-S. Tonine, T-H-O-N-I-N-E-S en 5D. Ça fait 94 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici votre premier joker, lettre blanche. Maroc M. Algérie A.
Grèce, G. Luxembourg, L. Égypte, E. Et Tunisie, T. Vous jouez avec Joker, Maroc, Algérie, Grèce, Luxembourg, Égypte et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 71 points. Attention à la solution choisie. Le joker est remplace un A d'Algérie, et attention à la place du joker également, du coup, horizontalement en N6, en partant du au-dessus du E de swap, nous posons maltage. M, le joker qui est un A d'Algérie, L, T, A, G, E. Le M forme me avec le E de swap. Donc attention, c'est le premier A qui est le joker. Maltage, M, A, L, T, A, G, E, en N6, ça fait 71 points. Rien au reliquat. Voici Océanie O. Luxembourg L. Tunisie T. Italie I. Égypte E. Algérie A.
et Roumanie R. Vous jouez avec Océanie, Luxembourg, Tunisie, Italie, Égypte, Algérie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 59 points. Horizontalement en K7, en double appui sur le N de Émoulant et le dernier E de Kété, nous posons Oriental. O-R-I, E, le N de Émoulant, T-A-L et le E de Kété. Oriental. K7, ça fait 59 points. Voici un nouveau tirage. Suisse S. Kenya K. Kenya. Roumanie R. Égypte E. Jordanie J. Votre deuxième joker, lettre blanche. Et Venezuela V. Vous jouez avec Suisse, Kenya, Roumanie, Égypte, Jordanie, Joker et Venezuela. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Cinquante-sept points. Le joker sera un U d'Uruguay, horizontalement en A12, en appui sur le G de Gueuze. Nous posons juge J, joker U d'Uruguay, le G de Gueuze et E. Juge. À 12, ça fait 57 points. Quatre lettres reliquats, Kenya, Roumanie, Suisse, Venezuela. Nous ajoutons ah ben rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, le logiciel considère que la partie est terminée, puisqu'on n'a plus on n'a plus de voyelle. Il considère le Y. Bon, bah écoutez, ça fera deux coups de moins. Ok, bon bah voilà, c'est terminé. Un petit souci technique, il y avait deux autres coups derrière à 45, 46 et 35 points, souk en D12 et dry en G1. C'est pas grave. Donc on a terminé cette partie en 14 coups. Pour un top cumulé de 1149 points. Voilà, merci de l'avoir suivi. On va passer maintenant tout de suite, restez là, on va passer au décodage de la partie. Allez, on y va. Bon, ben, ça sera plus rapide, hein, du coup, 14 coups seulement. Bon. Autant j'avais eu, il y avait un souci, je connaissais avec dans les parties de Joker, mais là dans une partie normale, je sais pas, je comprends pas pourquoi il me gère pas le Y, ou alors c'est un problème de paramétrage. Je jette un œil vite fait, mais bon, je crois pas. Bon, bref, allez, on y va. Donc, le décodage sur la chaîne Duplicate Club, ça se passe de la façon suivante. Pardon. On passe en revue les mots de la partie, les coups, pour voir les principaux, les sous-tops, les principaux sous-tops, pardon, et les isotopes. Deuxièmement, on regarde les définitions des mots peu courants de la partie, puis parfois des mots qui dérivent un peu aussi. Et puis, troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres, que nous n'aurions pas vues ni pendant la partie, ni pendant justement le premier temps du décodage où on passe en revue les principaux sous-tops. Voilà. Et puis en bas, vous avez deux lignes. Une première ligne de vocabulaire issu de la partie. Donc, ce sont des mots que je vous invite à retenir. Là, il y a eu beaucoup de verbes à renauder. Partie passée invariable. Bluffer, c'était un sous-top, enfin isotope sur bouffer, il y a son anagramme buffler, qui sont tous les deux des verbes au participe passé variable, donc transitif, on peut les écrire et eux. Gueuser également, agueusi non féminin, queuter et équeuter, c'est pareil, des verbes transitifs. Moudre et émoudre aussi, zoner et dézoner également. Et puis comme on a joué zoner, je vous ai mis en dessous une petite liste des verbes avec Z, enfin qui commence par le Z, pardon. Jusqu'à 7 lettres maximum, parmi lesquelles il y en a 4 qui ont leur participe passé invariable.
Zézéyé, Zouké, Zozoté et Zouanzé. Voilà, les autres, vous pouvez les écrire et eux à la fin, sans crainte. Allez, on arrive, on revient sur la partie. Donc au premier coup, Renauda, Scrabble unique, ça peut faire très très mal. Connaître le verbe renauder, on verra la définition tout à l'heure. Et donc sous top à 16 points, on perdait 50 si on ne scrablait pas. Avec Darn, Dénard, Dénua, Endura, Rado. Et c'est tout. Après, on descendait à 14. Au deuxième coup, alors on ne scrable pas. Mais avec les deux F, dont un qui double, le mot qui double également, ça fait 40 points. Bluffé ou bouffé, on a retenu bouffé. Même place, même mot, le I en moins, ça fait 36. Bouffi également en collante qui forme oud et fa en pivot sur la case bleue, ça fait 36. Et bluff au même endroit, 35. Jolie place, ça. Bufflé également, mais ne double pas le F, donc ça fait que 34. Le coup d'après. Alors, on a joué Geusé, une superbe collante qui monte à 90 points. Sous top 80 en 8A avec Ageusy. Geusé passé également en J9 pour 78, en I4 pour 70 et en I1 pour 63. Sur aigu, superbe appui, 62 points en 7F. Et Ageusy termine la liste des scrables possibles, des coups, des top scrables sur... Sur ce coup à 60 points. Et puis ensuite, on avait la collante Geusa, forcément. Geusé en quadruple sans scrabler, 32. Et Renaudé à IS, oui, il fallait penser. Faut pas oublier qu'on peut prolonger pour aller tripler, là. Ça faisait 30 points. Alors, le tirage suivant. Magnifique place pour Kété, ici, hein, qui forme FAC et FIU. Le mot passe également donc pour 114. Le mot passe également en J7 pour 82 et en I2 pour 71. Autre scrabble équeté ou queté en colonne 11 en quadruple pour faire 110 points. Équeté qui passe aussi en 11F pour 80. Quêteuse également anagramme mais ça ne quadruple pas. En 9G on a enquête à 75. Égalé par équestre en 7B. Requête en 7H, ça fait 67. Voilà, pas mal de scrabs sur ce coup grâce au QU. Ensuite, Lamento Telamon, sans le S, hein, c'est un binôme à retenir. On l'a en main, mais ça ne passe. Si ça passe sec ici, en G2 et en G1, 64-65. Et pour le top, on a une place de quadruple, là, le U de Renauda, donc émoulant, ça fait 86. Lamento Telamon en L8 font 70 au pluriel, moulante 68. Et autre scrabble, Lameron en 7D à 61. Ensuite, sans scrabler, on montait à 30 points avec montage en triple en A9. Alors ici, emboîté, remboîté, ça faisait 86 ou 92. Remboîte passe aussi en E4 pour 72 et trombine en K5 pour le même score. Retombée, remboîta, tomberée, etc., etc. Ça fait entre 65 et 69 points. On verra les autres appuis tout à l'heure. Alors ici, adonné en main qui passe pour faire remboîter. On a également en faisant ANT le verbe dézonner au participe présent, dézonnant, à 88, donc à moins de 6. Et puis c'était les deux seuls scrabbles possibles. Sinon, on avait 51 points avec zonage en triple, donné en I3, ça fait 43 points. Dommage de poser donné et de rester avec le A. Ça peut être un peu frustrant si ça nous arrive. Alors ensuite, petit coup de vocabulaire. A donné qu'on peut transformer en cadonné. On verra la définition après. Donc on met un C devant à donner et puis on joue à la verticale. Il y a quatre solutions qui triplent en Scrabble. Récrier, crierait, cirerait et écrirait. Donc on a retenu écrirait pour ST à la fin et RD au début. Ensuite ailleurs, eh bien 74 points maximum avec carrierait du verbe carrier. Et puis après on a
tout ce qu'on vient de voir là en sec, en cette lettre, on peut l'appuyer sur le T de émoulant pour 72 points. Également, rincerait en 5G, 70. Bon, tout passe aussi sur d'autres lettres, enfin sur un autre T, oui voilà, IT qui font, ça fait IR à la verticale, donc tout ça, tout ce qu'on a vu sur le T de Émoulant passe ici également pour 68, enfin pas forcément pour le même score à chaque fois cela dit, puisque on n'a pas les mêmes lettres qui doublent. Voilà, allez, le coup suivant, véhicule sur le E, véhicula sur un A forcément, Scrabble unique, ça peut surprendre, sous top Livèche, B2 42, et CHU, CHUE 14J, donc là on sait plus des Scrabble, hein, il n'y en avait qu'un. 32 points, cultive ES en L8, en double appui, avec le C qui double et le mot qui double, ça fait 32 aussi. Voilà. Alors ici, pas de Z pour swapier, du verbe swapper, donc on va le jouer en 6 lettres. À la première personne du présent de l'indicatif, ou à la troisième, ou ça peut être aussi le participe passé. Bref, swap SWA2PE, 96, le nom commun swap SWAP, même endroit, fait 12 points de moins, puisqu'on n'a pas le P et le E en plus qui double, qui triple. Même place, sepia, 54, sapé, 51, WAP en J10, fait 51 aussi, le W triple. Et on met un S au bout de bouffée pour en récupérer les points. Le coup d'après, Tonine à 94 en quadruple. Bien placé, attention, parce que plus bas, ça faisait moins. pardon, sous top, Easton. On verra la définition tout à l'heure. 83 points en N6. Avec le H en pivot sur la case bleue, c'est pour ça que ça fait un beau score. 78 points avec Ctonien, C-H-T-O-N-I-E-N-S, en double appui, ça c'est superbe. Ça aurait fait très très mal s'il n'y avait pas eu d'autres Scrabble. Onit en 5, on verra la définition hein, de Ctonien tout à l'heure. De Tonin également, Easton, voilà ces mots-là, on les définit tout à l'heure. Onit, Tonin, Tonin, je l'ai dit, anagramme Onit, qui ne quadruple pas non plus, 72. Et puis on a également swapé EES ou swap ENT, c'est un verbe, à 63 points. Dépasse le score du Scrabble de Tonin, qui passe aussi en ce qu'on appelle un blanchard. Alors ne jouez pas le mot blanchard au Scrabble, mais un Scrabble blanchard, c'est un Scrabble qui passe sur uniquement des cases blanches sans aucune survalorisation de lettres. Donc c'est des petits scores. C'est généralement des scraps difficiles à construire et c'est en général quand c'est le top, ça peut être difficile à trouver. Puisqu'on n'est pas, on n'est pas habitué à chercher sur les cases blanches. En fait, on cherche en général d'instinct sur les cases de couleur pour marquer des points. Allez, le coup suivant. Maltage Meugla à 71. C'était les deux seules possibilités de scrabler. Et ensuite, on avait 60 points avec swap EES, swap ENT ou swap ERA. Grâce au Joker, tout ça c'est possible. Et puis en mettant un S à swap, réglame ou un E remplage à la verticale, rétamage, tout ça ça fait 30. Malté qui fait bouffer à IT. 29. Allez, le coup d'après. Eh bien, voilà un blanchard difficile. Un double appui en plus. 59 points pour un scrab, c'est pas cher payé. Alors, quand c'est le seul, et quand c'est le top, aïe aïe aïe. 35 points derrière. Oui, on perd 24 points si on l'a pas, avec OT en collant en haut à droite. Ou 29 points si on se contente de tripler avec le V de véhicule averti, avorté, ovaire et ovalie. Magnifique rétro-agie en double appui qui fait 30 également. Alors, le coup suivant, juge, logique qui double, mot qui triple, ça fait un beau score, 57. Jive en 4A qui fait, à cet endroit-là. Le J ou le K qui double, le mot qui double, Jive, Kiffé, Kiné, Kite, ça fait 48. Gvas en 1A aussi.
Écart stand D1, 46, souk 46, voilà. Et puis c'était le dernier coup. Ouais, je suis désolé, cette bizarrerie, là, il reste de quoi jouer, normalement, il y a le Y, mais enfin, il n'y a que le Y, normalement, on aurait pu jouer. Bon, c'est un petit problème de programmation du logiciel. Si un jour je change de logiciel, ben peut-être que ça ira mieux, mais bon, là, je peux faire qu'avec celui-là, a priori. Allez, les définitions maintenant. Donc elles ne sont pas forcément dans l'ordre de la partie, puisque je les prépare et ensuite j'en ajoute au fur et à mesure du déroulement des choses. Et puis, c'est pas non plus exhaustif. Si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous invite à consulter soit le dictionnaire si vous l'avez, l'officiel du Scrabble, soit le logiciel du Plitop si vous l'avez. Sinon, vous avez le site web, notamment la version mobile, m.crds.fr. Le lien est dans la description. Pour chercher vos définitions, les définitions que vous souhaitez connaître. Alors, renauder, c'est un ancien verbe familier pour dire se plaindre. Le participe passé est invariable, donc pas de renauder et eux. Buffler, ça veut dire polir. Gueuser, ça signifie soit mendier, soit vivre misérablement. Queuter, familier également, louper. Et au billard, ça veut dire pousser la boule au lieu de la frapper. Équeuter, dépouiller un fruit de sa queue, un fruit où on peut équeuter les haricots aussi, il me semble. Zoner en informatique, partager un ensemble d'informations en portions homogènes. Dézoner au Québec, ça n'a rien à voir du coup. En politique, c'est changer un territoire de zone. Ça doit arriver souvent pour qu'on en fasse un verbe. Swapper en finance signifie échanger. La tonine, c'est un thon de la Méditerranée. Histone, une protéine végétale et animale. D'accord. Cadonner, c'est la même chose que cadoter. Et en Afrique, ça veut dire gratifier d'un cadeau, offrir un cadeau à quelqu'un. L'ivèche, c'est une plante ombellifère. Alors, chtonien, chtonienne, adjectif. Hein. Ça s'écrit C-H-T-O-N-I-E-N ou C-H-T-H-O-N-I-E-N, et dans l'Antiquité, ça qualifiait les divinités d'origine souterraine. Et ben c'était tout. Pas beaucoup de définitions, hein. Forcément, 14 coups, ça va vite. Allez, on passe maintenant aux potentialités des tirages. Je change d'affichage. Voilà, donc je passe en revue tous les tirages de la partie pour vous annoncer et vous montrer les autres possibilités par rapport à ce qu'on a vu. Je n'insiste pas, je ne passe pas sur les. Je zappe ce qu'on a déjà vu et les flexions de ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire là, Renault D, A, I, A, S, il n'y a pas d'intérêt. En revanche, Dénatura, je le souligne. Voilà. Et donc au premier coup, on avait en potentialité intéressante Dénatura. Ça, c'est pour les 7 et 8 lettres. Et en 9 lettres, ou Canardo Renardo, ça, c'est beau. Andeneur, Morandi, Ruandaise, Mandature, Truandage, et puis quelques conjugaisons. Voilà. Alors ici, rien en 7, rien en 8 et en 9, ben, tout simplement bluffion ou bufflion. Ici, que n'avons-nous pas vu ? Subaigu, gueulet. Pour les 7 et 8, on a fait le tour. Et en 9 lettres, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Aiguiseur, fuguré en jugué. Aiguelée, guimauve, muguetée, augustine, inaugurée. Ok. Alors ici, becqueté, métèque, estoqué. Le reste, on l'a vu en 9 lettres. Bon, beaucoup de...
émétique, squelette. Squeeze, du verbe squeezer, ENT. Bon, le reste est sans grand intérêt. Réséqué, réséque. Je vous mets la définition, tiens. Hop. Ça se prononce réséqué. Allez, le tirage d'après. Alors là, les deux, cette lettre, la main tôt et la manche, je l'avais dit. Montable. Non seulement je l'avais dit, mais en plus ça passait. Montable, modelant, méthanol. Donc c'est un joli tirage. Molletant. Et le reste, on l'a vu. En neuf lettres, on va ne pas s'attarder sur les conjugaisons. Automnal. Montrable, contempla, c'est joli. Madelino, téléroman, fantomal, fromental, émulation, maïton, malitorne, normalité. Oralement. Montravel, qu'est-ce que c'est ça? Montravel? Oui, c'est un vin. Oui, le Montravel, un vin de Dordogne. Ok. Eh ben, c'est bon à savoir. Alors, le tirage d'après, eh bien, on a tout vu à part bimoteur et emboutir. Et en neuf lettres, il y aura beaucoup de conjugaisons. Forcément. Mobicarte, morbidité, biométrie, biorhythme, thrombine avec un H, c'est beau, un beau tirage hein. Pour les 9 lettres sans conjuguer, il n'y a pas beaucoup de possibilités, improbité. Ok, allez, le tirage suivant, eh bien, cadonné, on l'a vu après en appui, en prolongement, pardon, et adonné sur un i, forcément, en neuf lettres, dégazonna, condamné, amidonné, dégazonne, lardonné, randonné, pardonné. Ok, ici, eh bien, on a tout vu, sauf décrire, écrire, cigarier, chérir. Crépirer, recuirer et criserer. Je ne vais pas voir les 9 lettres, il y en aura trop. Ici, on les a vues. Et après, chevreuil, anagramme de véhiculer ER. Un binôme à retenir. Hein. Ici, soit pied sur un Z, on l'avait dit. Et chipewa en 9 lettres, au pluriel. Chipewa d'un peuple amérindien. Et puis ensuite, Holstein, Hotline, Mignotte, Hériton, Tony et Taurine, Hésiton. Et en neuf lettres, on va avoir pas mal de conjugaisons également. Anti-héros, héroïsant, Hortensia. Ça, c'est un superbe trinôme. Bon, il y a également Atherion, mais si on regarde juste les noms, enfin, les non-conjugaisons. Béthunois, de Béthune. Corinthe, cheminot, au pluriel. Bon, hédoniste. Ornithose, ruthénois. Hypnotisé, ça c'est beau aussi. Bon, là, sur YP, ça aurait pas été possible. Avec un joker, par exemple, on ne sait jamais. Alors là, gamella, moltage, glatime, légitima, ligament. logatome, grumela. Ok. Alors ici, il y en a plein. Oralité, toi, l'aura toléré. Bon,
collatier, je vous donne pas les conjugaisons parce qu'il y en a trop. Orbitaleux, idolâtre, aérolithe, gratiole, collatier, torail, molarité, moralité. On l'avait vu, moralité, je crois. Ah ben non, puisque c'était Scrabble unique, oriental, en 9 lettres. Donc on n'a même pas vu de 8 lettres ou 7 lettres. Relation, pelotari, polarité, olivâtre, etc., etc., traviole. Et puis là, il n'y a rien, en 7, rien en 8. Et puis c'était le dernier tirage, donc on s'arrête là. Voilà, mais merci beaucoup, pardon, d'avoir suivi cette partie et son décodage. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà parmi les 830 et des qui sont abonnés, à en parler autour de vous pour la faire connaître. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.